Danny ? Quoi ? Bah, t'es en avance. Danny Boone et Valérie Bonneton, bientôt ensemble. Ce soir, c'est moi. Au théâtre. C'est moi. Non, c'est moi qui le fais. Non, ce soir, c'est moi, toi, tu fais demain. Ah bah, bonjour, la galanterie. Mais en attendant le début des représentations, c'est répétition, ici, dans l'Est parisien. Pas vraiment un théâtre, mais une grande salle, avec le décor de la pièce. Mais tu réalises ce qui se passe ? Je perds mon téléphone, elle perd son téléphone. Ok, d'accord, ça c'est une coïncidence. Elle a le cou bloqué, je ne peux plus tourner la tête. Ok, d'accord, encore une coïncidence. Son mari fait un malaise comme toi au même moment, mais ça c'est pas du hasard. C'est de la magie noire. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais cette femme, c'est comme si c'était un double. 8 euros de l'heure, c'est le retour au théâtre de Danny Boone. C'est aussi l'histoire farfelue d'un couple traumatisé par sa femme de ménage. Car à chaque fois qu'elle a un problème, ils ont exactement le même. On a inventé ce qui s'est passé. J'ai envoyé la pièce à Valérie Bonneton et c'est elle qui a eu l'idée d'envoyer la pièce à Danny Boone. Moi, j'aurais jamais osé lui envoyer parce qu'il fait beaucoup de cinéma, que j'ai pas vu souvent au théâtre, qu'il a l'air très très pris. Et voilà, c'est une merveille d'avoir ces deux acteurs pour jouer la pièce. C'était qui ce type ? Tous les deux ch'tis et complices depuis 25 ans, Valérie Bonneton et Danny Boone se retrouvent pour la deuxième fois au théâtre. Tu commences quand ? Tu fais des coupes dans le texte. On s'entend très bien, on a une belle écoute l'un de l'autre. Il y a une vraie envie de s'amuser et d'être généreux. Et puis c'est une nouvelle expérience, parce que Danny, voilà, le théâtre c'est rare quand même. Donc, je ne savais même pas par où il fallait rentrer. De partager scène avec Danny, c'est super. J'ai envie de mettre un peu en valeur. 10 ans que Danny Boone n'avait pas rejoué dans une pièce de théâtre. Il a même réussi à bluffer le metteur en scène. Vous n'avez besoin de rien. Il fait 10 000 métiers en même temps, il va très vite. Hein. C'est-à-dire que... il ne sait pas le texte un jour, le lendemain il le sait quoi. Bon, ces deux-là ont beau faire la course pour monter sur scène, il reste encore une bonne semaine avant de pouvoir découvrir 8 euros de l'heure au Théâtre Antoine. Demain c'est toi. Putain, lâche. Putain, lâche. Quoi ? Arrête, Augustin.